C'est une grande nouveauté pour nous. Offrir un nouveau programme, c'est toujours un travail d'arrache-pied. Il faut monter des dossiers. Mais en même temps, on avait des partenaires et le besoin pour la région était très important. Donc, pour nous, c'est mission accomplie parce qu'on a vraiment réussi à répondre à une demande et à travailler avec nos partenaires. Bien, en fait, nous, pour nous, c'est notre quatrième programme qu'on offre en technique administrative. C'est une nouveauté, c'est une exclusivité qu'on a au Cégep de Drummondville, c'est-à-dire qu'on réussit de cette façon-là à intégrer une nouvelle formation. Donc, ça permet aux étudiants d'avoir une plus grande polyvalence, d'avoir un plus grand choix. Et ça va certainement les aider là, au niveau de leur carrière professionnelle. On est unique à offrir les quatre programmes, gestion de commerce, comptabilité-gestion, logistique du transport et le nouveau programme, services financiers et d'assurance. Combien d'étudiants vous allez avoir par année? Ce qu'on a demandé, dans le fond, ou en fait, ce qu'on vise, c'est d'essayer d'avoir deux groupes, donc un total, une cohorte de 70 étudiants. Qu'est-ce que ça va apporter à la profession? À la profession, beaucoup, parce que vous savez, présentement, on est en période de pénurie de main-d'œuvre, mais c'est aussi ce laboratoire-là qui est créé présentement par le Cégep de Drummondville, va démontrer, va motiver les étudiants à être en pratique. Il va avoir un laboratoire qui va les aider à mettre en place les notions qu'ils apprennent, tout en gardant toujours leur intérêt sur quels sont les réels besoins. Alors, pour nous, c'est une richesse parce qu'ils vont avoir vécu des expériences pratiques. Lorsqu'ils vont arriver en milieu de travail, bien, on aura déjà des aptitudes qu'ils auront acquises et qui facilitera l'intégration chez Promutuel ou chez un autre assureur, évidemment. Et est-ce que la réalité, justement, là, du côté des assurances change avec tout ce qui est les changements climatiques? Est-ce que ça, c'est une autre réalité? Ah oui, vraiment, là, au niveau de l'expertise des sinistres, c'est incroyable les besoins. Les besoins qu'on a au niveau des réclamations, c'est vraiment plus que majeur pour nous. Vous savez, on vit des situations de plus en plus fréquentes, autant au niveau des inondations, des tempêtes de vent, de la grêle. Puis ces gens-là, bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de on n'a pas assez de personnes sur le marché du travail pour répondre à la demande. Alors ça, ça va inciter beaucoup de gens là, à se dire, bien oui, je m'en vais étudier, mais je vais avoir un poste après. Puis ça, c'est enrichissant pour la personne qui s'investit dans ses études, de savoir qu'à la fin, il va trouver un emploi. Vous savez, le programme, près de 94 % des étudiants ont un placement dans les entreprises. Je parle principalement de l'assurance, mais c'est la même chose au niveau des produits financiers. Il y a des réels besoins. C'est d'ailleurs pourquoi notre maison d'enseignement supérieur, de concert avec notre fondation, a mis sur pied un programme de bourse exclusif aux étudiantes et aux étudiants de ce nouveau programme, incluant des bourses de parrainage et un corridor de recrutement direct avec nos partenaires sociaux locaux. Dans ce cadre, nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer la précieuse collaboration de Promutuel Assurance Centre-Sud à titre de partenaire principal grâce à un investissement de 25 000 $ sur 5 ans pour la création d'un laboratoire à la fine pointe de la technologie pour nos nouveaux étudiants. Conformément aux besoins soulevés par les entreprises du Centre du Québec, le programme offert à Drummondville présentera un équilibre dans la formation de ces deux domaines où l'approche client et la polyvalence seront favorisées. Ce programme est donc offert aux étudiantes et aux étudiants interpellés et à l'aise avec les chiffres et le service à la clientèle. Et parlant de service à la clientèle, sachant que les étudiants doivent démontrer des compétences majeures à ce chapitre, nous nous donnons le mandat de former des conseillers professionnels qui sauront démontrer une forte capacité d'écoute et d'analyse afin d'être en mesure de bien cerner les besoins des clients et de leur offrir des produits adaptés. La polyvalence, le sens du service à la clientèle, les habiletés de communication, les habiletés en vente et le travail d'équipe constitueront donc la pierre d'assise des compétences développées par ce nouveau programme. Ajoutons à cela que ce programme ouvre la porte aux diplômés à des professions extraordinaires. On parle ici d'agents et de courtiers en assurance de dommages, d'experts en sinistre, de conseillers en sécurité financière, de représentants en épargne ou en rente collective et encore bien plus.